Si toi aussi tu veux Gullit, Pelé, Zizou et R9, passe sur IGVolt, le site de crédit le moins cher du marché, et profite du code IFI avec 6% de réduction. Allez, bonne vidéo. Ok. Merde alors. Futchamp, c'était comment? Bah, c'est mon petit ref qui a fait Futchamp, les gars. Je sais même pas, il a fini combien? 14. Allez, on commence, les mecs. Le premier. Est-ce qu'on aura De Bruyne ou Hernandez? On va le savoir tout de suite. En vrai, je prends n'importe lequel des deux, ce serait lourd. Carré. En vrai, à 88, je prends fort. Hein. Je prends fort. Games. Ok. Hernandez. Non. Dommage. Allez, un petit CR7 boost, je prends. Le problème d'Osimhen, les gars, c'est à chaque fois que je lui dis « Oh non, man !» Il me répond toujours « Aussi, man !» Il me casse les couilles, frère. Je peux jamais le remettre dans le droit chemin. Il n'en fait qu'à sa tête. Textat ? Oh my god. Bah, j'ai Harry Potter. Je peux vous proposer que Harry Potter. J'aime plutôt bien ce que je suis en train de voir, les mecs. Ça, c'est le premier joueur. Hein. 84 en physique, c'est ou défense ? Moi, je sais plus. Je sais plus tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ouais, c'est physique. De très bonnes stats défensives, donc c'est sûrement pas CR7. Bon, il a des stats pas dégueu là. 84 d'agilité. Oh wow. Ça peut être qui ça? Varane Fut Burzé? Non, équilibre 81, c'est pas Varane Fut Burzé. Non, passe, il est vite fait. 73 de défait, ok. Bon, c'est clairement pas un tireur. 83. 86 de vitesse, bah mais bien. Gossens. Hein? Wesh, il a des meilleurs stats défensifs que... Bon, bref. Je suis choqué, je m'attendais à tout sauf Gossens, c'est pas vous. Oh, le prank. Dans MDR. Vas-y, bref. Allez, next. Ok. 89 de détente. Là, c'est toujours pas mal, hein. C'est toujours pas mal sur le papier. C'est pas mal. Là, il faut que ce soit de la merde, hein, techniquement. Ok, c'est encore bien, c'est triste. C'est triste, qu'est-ce que ça va être? Oh, 93 d'agilité, par contre là je dis oui. Hein. Gros stat défensif, 93 d'agilité. Est-ce qu'il y a un MC aussi fort? Ça peut être qui? Paqueta? Non, Paqueta il a pas des stats comme elle. 78 d'effet, je pense pas c'est Paqueta. Ça peut être qui? Ça a l'air d'être un bon petit MDC, 83 de vitesse. Nkunku, ouais, je pense. Et Thébo. Ok. Ok, nice prank en vrai. Et Thébo, je le pack tous les jours, je l'ai déjà dans le pack la dernière fois. Vas-y. Le dernier. 90 en défense. Bon. J'espère que. Bon, en tout cas, je pense pas que c'est CR7. Je crois pas que CR7 il y a des stats dans le genre. Hein. 86 d'agi. Chez Gullit ou quoi frère? Il fout le compil le mec limite. Ah. Un petit prono avant qu'on dévoile. Un prono ou pas? Parce que moi j'en ai vraiment aucun là. Nkunku, mais à chaque fois vous dites Nkunku frère. Ah so. Ok, bon, de la bonne merde hein. De la bonne merde. Est-ce que je dois le choisir pour sa beauté ou pas lui? Vous préférez que je choisisse quelqu'un pour ses qualités? J'ai envie de te dire on verra. Ça a rien à voir en plus. Vous avez pas compris mais genre saut il a vu. Bon bref, rien à voir. Il y a 44 packs, on ne va pas tout ouvrir. On va garder les 100k et les 125k. Le reste, vas-y, le reste on décoffre tout. Vérité, il a un contrat avec IE, c'est pas possible autrement. Mbappé! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Dans un pack éclaté! Ça compte comme une icône Prime Moment! J'ai oublié de vous dire! Ça compte comme un fut de fantasy! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais gros, là, s'il est vendable, et je crois qu'il est vendable, c'était un pack je sais pas quoi, 80 de plus, j'ai vu. S'il est vendable, je suis assez bénef, hein. Je suis sacrément bénef même. Parce que j'en avais besoin des sous là. Je peux vous dire. Hein.
Frère, il a découvert mon compte. Je dois des sous à la BCE, frère. Van Dable. Il est Van Dable. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Je ferai aucun player picky coin, je fais rien du tout. Je garde mes crédits, les frères. Mon coffre. On n'est pas tunisien, mais c'est tout comme. Oh, elle est belle. Elle est belle. Banks, 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 banks. Merde alors. McGregor, hein? Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi t'as dit McGregor? J'ai pas que McGregor. Tu peux m'expliquer en fait, mon Sam? S'il te plaît, dis Ronaldo de Nazario de Lima, de je sais pas quoi, s'il te plaît, pour voir. Non mais. Non mais là c'est incroyable ce qui vient de se passer là. C'est incroyable. Vas-y s'il te plaît Sam. Les gars, après ce Mbappé vendable, le premier gros joueur de l'année que j'ai eu en vendable, hein, on va ouvrir les récompenses FUT Champion, on va ouvrir le bilan de l'année qui traîne et les deux packs campagne avec sur chacun de ces packs là une chance d'avoir CR7. Donc on espère appeler cette vidéo j'ai eu CR7 mais lequel. Donc on va vous montrer quand même. Bah, après je pense que c'est pas nécessaire que je vous montre ce qu'il y a dans les packs campagne parce que j'ai un fichier en qualité qualité tah. Bon bref, laisse tomber. On va faire de comparaison parce que je vais m'attirer des ennemis, je sens. Bref, peu importe. On veut CR7 les gars, bordel de merde. Ce week-end les gars, j'ai joué. J'ai joué et devinez quel score j'ai fait. Voilà, devinez dans les commentaires, je le dirai pas dans la vidéo. Voilà, allez-y, devinez. C'est parti les mecs, premier pack. Un joueur sur 5, il n'y a que CR7 qui est intéressant dans la Team of the Week. On espère. Ça serait beau. Franchement, j'y crois, les gars. Je sais pas pourquoi. Les petits lives matinaux comme ça. Les petites vidéos matinales comme ça. Ça paye. Souvent, ça paye. Deuxième pack. CR7. Les mecs, je passe mon temps à mettre Gucci mon chat. Et mes viewers. Est-ce que je peux mettre le Gucci moi-même un jour? Ça serait cool. Putain, ok. Hernandez, en vrai, il y a des petits stats, hein. Ouais, non, ou pas. Allez, on prend. Je sens une dinguerie, là. Imaginez, on l'a en 3 fois, les gars. Ça serait pas incroyable. Encore pire, on l'a en 3 fois. C'est parti, dernier pack, fut champion. Putain de merde. Bon, on l'aura pas cette semaine. Ça, c'est sûr, ça, c'est cash. Ok les gars, y'a rien dans les packs FUT Champion, tant pis, bon on est habitué, j'ai envie de vous dire. Je me disais, hein, vu que j'ai rien eu toute l'année, peut-être que c'était le moment où ça allait tourner, mais bah non du coup. On va essayer de l'avoir là-dedans. Autrement, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Vinicius qui est pas mal, et le reste, y'a pas grand-chose qui m'intéresse. On est parti les frérots, 1 sur 3, birthday bilan de l'année. La merde. Ok. Daka, il est BU? Je l'ai, c'est une machine Daka. Ok. Bah, de toute manière, c'est pas comme si j'avais. J'avais 36 choix. On a niqué déjà 4 chances d'avoir CR7 sur 6. Il reste 2 chances. Vas-y, on va tej tout ce qu'il y a là. Et on repart sur de bonnes bases. Moi, je m'appelle Weshden. Oh. Principe. Trompé avec ma cousine. Ok, bon, toujours pas de CR7, mais en vrai, c'est pas mal, hein. Verti, Vardy, Vardy, hein. Je suis pas sûr que vous êtes prêts. Là, le chat, je vous veux vraiment on fire, là. C'est le dernier pack, c'est la dernière chance d'avoir CR. Are you ready? Allez, c'est parti, les gars, j'ouvre. Ok, le premier joueur, les mecs. Je crois que c'est CR7, hein. 81, normalement, c'est R9, hein. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de légende. Ah non, c'est pas CR7, hein. C'est pas CR7 et je me demande qui ça va être avec des stats comme ça. Dans ton number. 75 d'agilité, ok. Ok, je crois que c'est de la merde. Ah, c'est de la grosse merde. Ah, c'est de la grosse merde. Ok. CR7? Ah, putain, encore un défenseur. Oh, la tête de ma mère. 98 d'agilité. Mais c'est du lit ou quoi?
Mais c'est qui ça? D'effet. Je sais vraiment pas ça peut être qui, attendez, je réfléchis. Avec des stats comme un gant de défense. Qu'est-ce que c'est que cette carte de ouf? C'est pas CR7, mais OMG, c'est qui? Quadrado? Non. Ah merde. Oh non. Oh, j'étais choqué! Ah ouais, mais je me disais, j'avais vu aucun joueur avec des stats aussi incroyables dans toute la liste. Ah ouais, mais OMG. Ah la douille. Aïe 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 aïe. Oh, pas de CR7, hein, malheureusement, hein, les mecs, pas de CR7. Par contre, j'ai eu tous ses potes, hein. J'ai eu Sancho à côté, là j'ai Cuadrado, son ex-pote. Dommage. Gullit gang, hein. Par contre, tu vois sa carte, tu pètes ta tête. Hein. Sur ce, les frères, passez une bonne après-midi. On se capte very soon. La vidéo va sortir cet après-midi. N'hésitez pas à les donner de la ce fort, les gars. Petit like, petit comment, petit ce que vous voulez, petit partage, ça soutient de ouf. Et voilà, voilà. Allez, gros bisous, les gars. Attention à vous. Et je vous dis à demain, je pense. Pour sûr. Allez, bisous, ciao.